À Découpage, nous aimons les histoires. Celles d'hier, mais surtout celles d'aujourd'hui. Nous aimons les lire, et plus que tout, nous aimons les écrire. Sur le papier, ou sur l'écran. Nous aimons qu'elles prennent vie, quand nous les tenons entre nos mots. Des histoires d'hommes, de femmes, d'ici ou d'ailleurs, qui ont pour point commun de donner du sens à leur vie et à la nôtre aussi. Raconter leur aventure est pour nous une manière de tisser du lien, de briser les silences du quant à soi. Cette passion, nous la partageons avec tous ceux qui ont envie d'écouter, avec ceux qui prennent le temps de s'asseoir pour regarder le monde avec humanité. Ces histoires, nous les racontons avec nos voix, mais pas seulement. Nous y mettons aussi des bruits, des sons, des musiques, qui nous touchent et parfois nous bouleversent. Et puis ces histoires, bien sûr, nous les racontons en images. Nos caméras ne sont pas de surveillance, plutôt de bienveillance, mais jamais de complaisance. Pour les raconter ces histoires, nous travaillons avec des journalistes, des réalisateurs, des faiseurs d'images, un petit monde de passionnés. Sans eux, pas d'histoire, pas de film, pas de regard sur le monde, juste toujours un peu plus d'indifférence. Le regard que nous posons sur le monde n'est jamais celui de l'évidence. Nos histoires sont de celles qui interrogent, qui questionnent et qui parfois dérangent. Nous ne recherchons ni le consensus, ni la polémique, juste à regarder le monde si complexe d'aujourd'hui, avec le souci de mieux comprendre celui de demain.